Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous présente Si on sortait. Construit, ça s'entretient, ça s'entretient. Salut à tous et bienvenue dans Si on sortait. Vendredi au Fontanil, retrouvez l'autodidacte Zim. Il passe de la chanson française à la variété, au rap, au rock ou encore au slam, au gré des textes qu'il écrit et de la musique qu'il compose ou adapte. L'artiste lyonnais mélange guitare et beatbox. Il est accompagné de Rémi à la contrebasse, au piano et au chœur. Job avec une fenêtre et mon lit, mais s'il faut se déplacer... Ne ratez pas Bouvier au midi, minuit. L'artiste parle de lui, il joue des personnages et raconte des histoires. Il slame, il rappe. Ses thèmes de prédilection sont le suicide et la malbouffe. Il y est question entre autres d'Harry Potter, de Patrick Sébastien, d'Eminem et d'Éric Piolle. Pilier du groupe Les Mountain Men, Barfoudiano est au Café des Arts vendredi. L'Australien a déjà 3 albums perso à son actif. Avec ses chansons, sa guitare et ses harmonicas, Yano transporte le public dans son univers de blues australien. Il est actuellement en duo avec Jean Berton pour la basse et les chœurs. Ils viennent des bois, ils arrivent en messager. Snap Uncles propose un album à la fois moderne et rétro. Au menu, synthé, guitare, basse et frappe sur des peaux d'animaux pour former des rythmes primitifs. À voir vendredi à la bobine. Gilles Trignat Résidence, promoteur immobilier dans l'agglomération grenobloise depuis 40 ans, vous a présenté Si on sortait.